Hey, salut tout le monde, ça y est, je peux enfin tester The Perfect Sniper qui est sorti il y a quelques jours sur PlayStation VR en Europe. C'est un jeu qui m'a été demandé pas mal de fois, donc voilà enfin ma vidéo et ça tombe super bien parce qu'il y a une promo de lancement qui se termine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça devient tout sombre? Le jeu reboot pendant mon intro, super. Et regardez en face, on dirait qu'il y a un autre YouTuber qui essaye de faire sa vidéo, qui est en train de présenter, regardez. Donc The Perfect Sniper, c'est un jeu qui se joue soit à la manette... Ah, merci la musique, merci. Alors, The Perfect Sniper, c'est un jeu qui peut se jouer à la manette DualShock 4 ou PlayStation Move et avec le Aim Controller. Il y a un mode histoire et un mode arcade, donc on va découvrir ensemble le mode histoire. Appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer. Elle est où, la n'importe quelle touche? Ah, je commence sur le même toit. 120 secondes, ok. Il y a des secondes qui défilent, je sais pas pourquoi. Donc là, il m'apprend à utiliser un fusil de sniper. Pour l'instant, j'ai pas de lunettes. That's what I'm talking about. Okay, not bad. But let's see how you do now. Ow! Scheiße! Pour recharger, c'est très facile. C'est la touche carrée avec le pouce droit. Là. Oh putain, ça tremble. Hey, je suis dans une voiture avec Monsieur Polygonal. Welcome to the big city. Thanks, Jazz. We've got a lot of work to do. The Romanos run everything. Attention, il y a des flics, attention. Tourne à gauche, tourne à gauche. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ultra basique graphiquement, c'est ultra polygonal. C'est un aspect choisi par les développeurs. Je trouve que c'est pas trop mal, il n'y a pas de texture non plus. Mais ça rend plutôt bien. Ok, je suis sur un autre toit. Graphiquement c'est pas mal, mais il y a une espèce de genre de filtre un peu de brouillard, un peu étrange. C'est un tout petit peu dommage. Ça manque de peps, ça fait partie de ces jeux qui manquent de peps en termes de couleurs. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas écouté. J'ai absolument pas écouté et je crois que ça va être compliqué. Ah, il faut que je tue le mec qui m'a montré en photo là. C'est lequel? Il me reste 20 secondes, super. Il est là? C'est le rouquin, hein? Ok, il fallait juste le trouver, donc c'était un genre de où est Charlie? Wow, le dérapage! Wow, il est fou le mec! Oh, mais calme-toi! C'est quoi ces dérapages là? Tu vas nous faire remarquer. Ah ok, il faut que je l'empêche de se suicider, donc il y a un gars qui va se suicider en face. Il faut que je l'empêche en lui tirant dans la jambe ou dans le bras. J'ai réussi. En une balle. Ok, donc je dois... apparemment je dois tuer une flic qui est allée chercher à manger. Je l'ai raté. Merde, mission failed, c'est pas ça, j'ai pas écouté. J'ai pas bien écouté. On dirait un jeu d'énigmes en fait, où on doit... un genre de où est Charlie violent, où on doit tuer la personne qu'on cherche. C'est bizarre, la chef de la police qui est partie manger, mais il y a que elle qui est un truc de hot dog là. Est-ce que c'est elle la chef de la police? Est-ce que je sais pas ce que j'ai tiré à côté? Toi, c'est hyper violent en fait. Je viens de tuer une femme flic quoi. Ah, je suis à l'arrière du camion. Ok, je dois tuer les Romanos dans les voitures noires. Merde. Un peu plus d'action. Ça tire, ça fait rien, je comprends pas. Je tire sur les voitures noires, il se passe rien. On dirait que c'est des balles à blanc. Ok, bah, j'ai pas compris, ça faisait absolument rien quand je tirais sur les voitures, mais... A priori, j'ai réussi. Il vient de m'expliquer qu'est-ce que je dois faire. Allô, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me répéter l'objectif? Je répète.
Répétez-moi l'objectif, parce que là, je suis quand même con sur un toit. Il me reste 130 secondes et je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse. Bon, mais c'est pas grave, je vais tuer n'importe qui au hasard et peut-être avec un peu de chance, on aura réussi la mission. Ah, j'ai échoué, c'était pas la bonne personne. The passable sniper. Le mec qui sait pas sur qui il tire. Ok, ça y est, je viens de comprendre ce qu'il vient de dire. Il a dit « Find the Romanos ». Donc, trouve les Romanos. Donc, il faut que je tue les Romanos qui sont habillés en noir. Donc, lui, c'est un Romanos. C'est le plus facile. Merde. Ah, c'est un Romanos, ça? Non, c'est pas un Romanos. Je vois rien, c'est flou. Alors, on va regarder dans le viseur. Ouais, je vois pas mieux. On va faire lui, hein, je sais pas du tout. Ok, donc je dois pas tuer la fille, je dois juste tuer le gars. Hop, headshot. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que toute l'action se passe loin de nous et c'est flou. C'est trop loin pour être affiché correctement. Après, c'est un jeu de snipe, hein, donc forcément, je dois tuer Marco. Apparemment, le chef, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est le gars qui est devant, là, le chef? C'est lui, là, il a un costard-cravate, on dirait. Ok, il me demande de tuer un gars qui est à la peau noire. Je pense que c'est le gars qui arrive, là, mais je dois pas lui tirer dessus directement. Je dois faire tomber le conteneur sur lui. Donc je dois péter le câble au moment où le gars passe. Bon, là, j'ai deviné que c'était lui. Voilà, on voit enfin les personnages nets quand on est à proximité, quand on est dans la rue, dans la voiture. On voit à quoi ils ressemblent. Ils ont des mono-sourcils. Alors bien entendu, je vais pas vous montrer le jeu entier parce qu'il n'est pas très long a priori. Il devrait se terminer en 1h30, 2h maximum. À part si vous êtes vraiment super balèze et que vous arrivez à tirer sur la bonne cible systématiquement dès le début. Donc c'est un jeu qui est pas très long. Il est vendu 11,99€ en promo de lancement jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à ce soir, minuit ou 1h du matin, il est à 12€ au lieu de 15€. C'est The Perfect Sniper. Je vous ai pas montré comment ça se joue avec les PlayStation Move, mais je pense qu'il y a les deux mains. Vous voyez les deux mains qui sont positionnées sur mon arme ici. Il suffira juste de prendre l'arme à deux mains. Et moi, je vous conseille quand même de jouer au Aim Controller. Si vous n'avez pas de Aim Controller, achetez-en un. Surtout qu'il y a Firewall Zero Hour qui arrive à la fin du mois. Et ça, je pense qu'on va tous y jouer, on va tous se régaler en multijoueur, ça va être super cool. Donc joignez-vous à moi et à nous, à la communauté, pour jouer à Firewall Zero Hour très bientôt, à la fin du mois d'août. Voilà, c'est tout pour The Perfect Sniper. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est très important pour la visibilité de mes vidéos sur YouTube. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne VR Singe Rhétorique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis. Pour commencer, appuyez sur n'importe quelle touche. Où est-ce qu'elle est, la n'importe quelle touche? Je vois ESC, CTRL et PEGUP. Oui, ils l'ont oublié, la n'importe quelle touche. Pfff, ce casse-tête informatique m'a donné soif. Je vais appuyer sur TAB, touche à bière. Ouh, c'est pas le moment, il s'est mis en marche.